2500 ou 3000 jours dans sa vie, toute femme en bonne santé aurait ses menstrues selon des études. Toutefois, cette période est un véritable calvaire pour de nombreuses femmes. Au Mali, les études prouvent que le niveau de connaissance des jeunes sur la sexualité est lié à leur profil sexuel. C'est dans ce cadre que l'Association des femmes leadership et développement durable, AFLED, a organisé 2 jours de formation à l'endroit des femmes et des filles pour les former en père éducatrice afin de promouvoir l'accès à la santé sexuelle et reproductive et les sensibiliser sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Cet atelier, c'est pour outiller les jeunes femmes pour qu'elles-mêmes elles puissent former d'autres jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, sur tout ce qui est contraception, hygiène menstruelle et susciter en fait un comportement sexuel responsable par rapport à la sexualité chez les jeunes pour baisser le VIH-Sida, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles. Une initiative qui salue les participantes à travers son importance dans leur vie quotidienne. On a beaucoup appris avec nos mamans à la maison, on a beaucoup appris sur la menstruation à l'école avec nos professeurs de DEF, économie familiale. Mais on a appris beaucoup de choses également ici qu'on ne connaissait pas. Durant cet atelier, c'est vraiment être un vrai père éducatrice pour mes sœurs, pour mes grandes sœurs et pour ma génération. Il s'agit vraiment de leur faire comprendre les processus du cycle menstruel, comment se protéger, comment prendre soin de nous intimement surtout. Et je pense que c'est un message qu'il faudrait vraiment véhiculer à travers notre génération, à travers les informations et autres. Afin de mener à bien ces objectifs, l'association a aussi porté les critères de participation sur les personnes vivant avec un handicap à travers l'Association malienne des personnes de petite taille. Les femmes vivant avec handicap sont également des femmes et nous avons tous besoin d'une bonne communication et d'une bonne information par rapport à la sexualité, par rapport à l'hygiène menstruelle. Qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas et surtout l'échange entre nous. On ne peut pas tout connaître et souvent c'est un tabou, on a honte d'en parler avec les autres. Mais si on est là entre nous, on parle des choses et c'est un changement de comportement qu'on va adopter à la fin. Quant aux formatrices, elles comptent sur une bonne compréhension et un bon relais des informations données aux participantes. Les pères éducateurs qu'on vient de former, on espère qu'à l'issue de cette formation et surtout les techniques de communication qu'elles ont reçues à la fin, qu'elles vont les utiliser et mettre à la disposition de leurs autres pairs. L'Association des femmes leadership et développement durable AFLED, faut-il le rappeler, est en partenariat avec Voice, financé par Oxfam International dans le cadre de l'organisation de cet atelier.